تتواصل ايضا الفعاليات والتظاهرات الثقافيه والفنيه المنظمه من طرف الديوان الوطني للثقافه والاعلام تعود تظاهرات صيف الجزائر بوهران بعدد من السهرات الفنيه المتنوعه يحييها عدد من الفنانين الجزائريين عدد من المع نجوم الاغنيه الجزائريه بفندق الميريديان بوهران وذلك في الفتره الممتده ما بين ما بين العاشر إلى غاية الثامن عشر أوت الجاري ابتداء من الساعة العاشرة ليلا. تتواصل أيام على الفن التشكيلي بالجزائر العاصمة وهذا وهذه المرة بفندق سوفيتال لأن يقوم الفنان التشكيلي الجزائري خالد رشيد بصايح بعرض لوحات تفنن في رسمها تحمل بين طياتها الكثير من الجمال والإبداع تنتظر من عشاق هذا الفن أن يقدرها ويفهم معانيها هذا المعرض يتواصل في فندق سوفيتيل لغايه الرابع والعشرين من الشهر الجاري. ينشط الكثير من متعهدي التظاهرات الفنيه الخاصه بحفلات متنوعه اذ يجلب يجلبون عدد من الاسماء البارزه في الساحه الفنيه الجزائريه امثال لاجرين وايضا لا كريم كم يتقاضى هؤلاء نتابع المزيد في تقرير زهور غربي. نعود مشاهدينا الكرام إلى تقرير زميلة زهور غربي بعد قليل لكن نبقى دائما مشاهدينا الكرام في المجال الفني ونتحدث قليلا حول الفن الجولات الفنية وحول السهرات الفنية التي تقام هنا بالجزائر سواء من تنظيم الوزارة الوصية أو أيضا من تنظيم خواص نتحدث قليلا حول جولة دي جي كيم منسق أغاني الحاضر معنا اليوم في بلاطو 20 دقيقة أخبار الفقرة الثقافيه دي جي كيم السلام عليكم يعطيك الصحه دي جي كيم جيتنا جيتنا بجديد يعني اليوم اكزاكتومون البوم جديد اللي خدمته في فرنسا بس راني عايش ما في باريس البوم واسمو ويلكيم 4 uh, هذا الالبوم سي uh, ان بين ويلكيم uh, 4 سما و... الاسم تاع كيم ويلكيم زعما ويلكم مرحبا بكم في اون فا دير لو مون تاعي تاع لا ميوزيك دونك سي ان جو دو بين ويلكم وكيم L'album, c'est un mélange entre le rail et le rap. Je suis allé dans le registre musical. Ça fait longtemps les je de avec plus ou moins du succès. Il y a eu des gros succès à l'époque, notamment par exemple Anandabarase avec Rimka Ta 113 et Zawonia. Ça, c'est une chanson que j'ai produite. J'avais fait Reggae Rail et Sissi Rider où grâce à ces, euh, ce style musical, en, en, en 2002, j'ai eu la chance d'avoir euh, mon propre disque d'or. ma une compilation, c'est ma opération Rai. C'était la première compilation Rai euh, euh, enchaînée, mixée, Ronia, euh, Tempo. Mm -hmm. Et euh, donc chez Warner Music, Kmult fait le registre. Ma, le, celui qui m'a donné envie de faire cette musique-là, c'est le king du Rai, Khaled, euh, voilà, qui, qui m'a beaucoup donné de, de, de force qui m'a soutenu, qui m'a donné de la motivation. Ben Festival Thierry, je n'ai jamais eu l'occasion d'enregistrer avec lui, c'est mon rêve, le rêve absolu de ma carrière. Donc Khaled, si tu nous regardes, Inch'Allah, je compte sur toi cette année. Et voilà, donc là je reviens avec un nouvel album, c'est l'album « Welcome 4 », qui a un très très beau succès, Inch'Allah, depuis le 13 juillet. Jamil, « Welcome 4 », c'est le album qui est les chansons, Raï » C'est le style il faut aider le buzz. Il faut des chanteurs algériens, des franco-algériens, des chanteurs algériens, les rames fait français, l'algérien, le soul king. Il faut que tu aies le style. Exactement. En plus, deux parcours différents. L'algérien, le kibre fait français, le soul king fait le jazeer. Mais euh, le style musical, justement, le mélange entre le rap et le rail, c'est universel. Déjà, le rail est universel grâce à Khaled Oumami. Avec le tour du monde aux États-Unis, en Europe, euh, et c'est vrai que dans le cas, le nouveau style musical, les productions musicales et euh, elles sont modernes. Ça veut dire que Mouran et Ta'aray, en tout cas, qu'à un niveau, il peut poser dessus tous les rappeurs français, hein, même les Amak qui n'ont aucune origine à l'Algérie, des Maliens, des Sénégalais, des Français, pure souche, et à étoiles les chanteurs de, de, de rail, parce que Chef, le, 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 le mélange des deux genres. Il y a fait, fait France. Au cas, par exemple, non seulement dans, dans des chaînes, euh, de, des radios comme celle où je travaille, moi Beur FM, par exemple, mais aussi des radios dites euh, françaises comme Skyrock ou des radios euh, mm -hmm. purement rap. Donc le style euh, algérien, il s'est imposé, fait fait Europa en particulier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on a par je exemple. Je vous même pardon, je vous même les, les vues, les dirons, par, par exemple Skyrock, oui. les, les chanteurs algériens. Ils cartonnent. Ils cartonnent. Euh, Plus que les autres. Exactement. Parce que, parce qu'on a la chance, c'est comme au football. On a la chance, euh, mm -hmm. chance d'avoir des, des, des joueurs à l'intérieur. Le mélange, tu as les Algériens, justement, à Angola, parce que c'est vraiment très très important. Euh, j'ai milité dans les années 90 pour que les joueurs franco-algériens jouent en équipe nationale. Et j'ai commencé par soutenir par exemple Yazid Mansouri, capitaine de l'équipe d'Algérie. Et ouais, à Beur FM, quand j'étais à Beur FM, je disais, il faut que la fédération l'appelle, l'appelle. Et ça a fonctionné, machallah. On a fait des belles prestations. Où on se rend compte que le mélange, les compétences, tu les Algériens de l'extérieur, au, tu l'intérieur, ça fait du plus. Et c'est vrai que les vues, elles cartonnent, mais de manière exceptionnelle. Récemment, j'ai mis un clip, euh, il y a une semaine, euh, il a fait euh, plus d'un million de vraies vues euh, avec euh, un chanteur qui s'appelle Faisal Mignon, qui est mm -hmm. purement algérien d'ici, et un, un rappeur qui est à Paris, qui s'appelle Hax. Et finalement, donc, euh, le, le, on, on voit qu'il y, y a un marché, il y a un potentiel. En plus, la musique Tana,

le Maroc, il ne peut pas mettre le Zaire, plus l'économie. Il ne peut pas mettre le plus l'économie. Il ne peut pas mettre le plus Je pense qu'il y a un mouvement qui commence à s'amorcer. J'ai mm. euh, vu par exemple que euh, les droits d'auteur n'étaient pas préservés. Dans le j'ai vu que l'Onda euh, Londres prêtent attention aux droits d'auteur des artistes. Je trouve que les gens prennent le plus l'économie. Je Paris, pareil, comme je vous l'ai dit à la, la radio, tous les jours je <mimple> fais la, la promotion. De la culture algérienne. Algérie. Bon. Mais quand je m'aperçois que les, les artistes, en tout cas à l'époque, certains n'ont pas été respectés, dans, dans, dans le, de la, le, des situations compliquées, sans soutien, c'était pas bien. Les artistes, les sportifs, les hommes de culture sont, des, sont, sont une vitrine pour l'Algérie. Il faut les valoriser. Ça veut dire que l'économie, elle existe. Elle peut générer du chiffre, elle peut générer du travail, simplement il faut que ça soit fait dans, de manière professionnelle. Mm -hmm. Ça commence à se mettre en place, mais il faut que ça aille plus loin. Qu'est-ce qu'il faut faire il faut que, Déjà, il faut qu'au niveau de l'administration, mm -hmm. euh, il y ait un vrai, vrai, vrai euh, statut de, euh, des artistes, statut des producteurs. Euh, il faut préserver les droits. Parce que, y a, par exemple, je fais mon album, je l'enregistre, ça me coûte du studio, ça me coûte un ingénieur du son. Euh, ça me coûte la fabrication, c’est une économie. le mm -hmm. bah, de l'économie, il faut que tu vendes. Aujourd'hui, c'est des streamings. Bon tout le monde stream. Euh, c’est ça l'économie de la musique à, à l'avenir, au fil de ça va venir. On est encore un peu en, 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 en retard. retard mais ça va venir. Le streaming à l'avenir, vous aurez un abonnement téléphonique, l'abonnement musical, la autant que tu veux, c’est ça l'économie de demain. Il faut que ça, ça soit préservé, Il faut que ça soit protégé, plus on va protéger, plus nos artistes vont se développer, Puisque Soul King, fait le Mais il a explosé à l'extérieur. Mm -hmm. Mais pour autant, mais allez, c'est pas grave. Quel que soit l'endroit où on explose, les Algériens, on a une chose, c'est qu'on aime notre pays, on revient et on valorise l'image de notre pays. La preuve, la chanson Algérie, qui cartonne partout, sulking. King, voilà, c'est une chanson où il dit qu'il aime, il crie son amour pour l'Algérie. Donc moi, je lance un appel, c'est vraiment voilà, pour soutenir cette économie et les professionnels. Et puis petit à petit euh, le, le marché va va s'épurer comme un golou inchallah. Wahedou, j'ai travaillé, je t'ai dit que j'ai travaillé, le 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 producteur تاع la gnia تاع n'daba rasi, Zowani qui a fait buzz en or. Ouais. Euh, kifash une chanson peut dire buzz Tu dois savoir toi b'lli cette chanson va faire du buzz. Personnellement, je trouve il te mente à lik, il te dit à l'avance il sait b'lli la chanson va dire un succès. Non, le succès, ouash c'est le public qui va décider le succès. Après

euh, la preuve, par exemple, là, j'ai mis euh, un titre euh, avec euh, Khalas et Al-Rima. C'est en train de cartonner. Le titre s'appelle Basta, Basta. Mm -hmm. euh, on l'a tourné en une journée à Paris. C'est en train de cartonner. J'ai pris un jeune qui s'appelle Akalam, qui n'était pas connu du grand public, qui est le fils de Cheb Rojdi. Il est déjà rendu presque un million de vues euh, sur son clip. Donc, ma à l'avance, après. Il y a le sérieux dans le travail. Tu as vu, moi, dans, dans mes productions, euh, j'essaie de, de travailler euh, aux normes internationales. Ça veut dire que René a laissé Gelta dans, dans Wellkim 4. Mm -hmm. Elle peut passer sur n'importe quelle radio. Elle est masterisée de manière universelle. Elle peut passer aux États-Unis, en Algérie. Voilà, le, le plus normal. C'est la qualité du, du, du travail. Après le succès, c'est le public qui décide. Très bien je suis à la, les tournées euh, tournée en Tunisie oui euh, à nous. exactement rékément on a fait le sixième mm -hmm. festival international euh, en Tunisie c'était exceptionnel il y avait 4500 personnes c'était euh, énorme, énorme. c'était une ambiance de, de folie et ça c'est un paramètre aussi qu'il faut aborder par exemple euh, moi j'ai pas la chance fait le euh, d'être invité euh, sur les, les, les festivals algériens pourtant ça fait 22 ans que je suis dans la musique, ça fait 22 ans qu'on a des, des succès. J'ai dû être invité une fois dans un événement officiel. Euh, C'était pour un concert en soutien à la Palestine et au Liban. Mm -hmm. C'était avec Khaled, dans les parti à Ouahran. On a fait ce, ce concert. En dehors de ça, euh, très peu d'événements nous ont invités. Et c'est vrai qu'on est un peu jaloux de voir que des fois, il y a des artistes internationaux, les djoul jazair, que des fois, ils correspondent même pas au profil des Algériens. Les, les enfants de l'Algérie euh, à l'extérieur, on a du mal à s'imposer euh, chez nous en Algérie, alors que chez des voisins, ils euh, jouent modestement. Euh, leur festival, c'est nos artistes qui les font cartonner. Vrai. Euh, les programmations de Chauvril, les, les trois quarts, c'est des Algériens. On n'a pas la chance de, de pouvoir. Donc, l'appel que je lance à l'administration, c'est voilà, donner l'occasion euh, à des, des, des gens qui aiment l'Algérie. De venir partager, un... c'est que de la musique, c'est rien d'autre. On ne va pas <laughs> révolutionner le monde, c'est de la musique, mais partager un bon moment, les, les, les Algériens. Ça veut dire moi, j'ai 20 ans de carrière, mais à chaque fois, aujourd'hui, je viens sur votre plateau, je sais qu'il y a des gens qui nous regardent, qui ne me connaissent pas, mais jamais sur Donc, il faut être modeste en mmh. se disant que c'est un éternel recommencement. Et moi, je vous remercie justement de, de, de me donner l'occasion. Très bien. Ici, en Algérie, le 30 août. Oui. C'est ma côté, Exactement. Un une, concert. Euh... Une soirée qui une soirée. va être organisée voilà, par un privé mm -hmm. euh, qui va donner la possibilité aux, aux gens qui me suivent sur les réseaux sociaux euh, à travers mes musiques, à la radio, etc. ou qui regardent parfois des clips de venir passer euh, une, une soirée avec nous, Inch'Allah. Et moi, je suis très, très impatient de, de, de faire cette soirée parce qu'elle voilà, la belle, belle, la population algérienne, elle est très, très chaude en ambiance. Il y a quelques années, j'ai fait un concert pour la fête de la musique avec aussi un privé, c'était mm -hmm. Paza, Il y avait peut-être 30 000 personnes. C'était exceptionnel. Euh, ça a été un moment magique et que j'oublie pas. C'est vrai, j'ai eu la chance de faire euh, des Zénith, des Bercy, euh, des, des petits endroits à 80 personnes. Mais que j'ai fait Bledc, c'est autre chose. C'est voilà, autre chose. Merci, Merci, Merci beaucoup. beaucoup, DJ Kim, d'être là avec Merci nous. Merci beaucoup. Ça et merci de m'avoir reçu et longue vie à votre chaîne, inshallah. <laughs> <laughs>